Et bienvenue à tous sur le live de Mocha sur la chaîne Retro Gaming. Petit live rétro en tout cas. Et de suite sur Revolt, petit jeu de l'époque PlayStation, des années 90, il me semble que c'est en 98 qu'il est sorti, si je ne me trompe pas. On va jouer en mode normal, c'est-à-dire en mode arcade. On va se faire un petit championnat. Donc un jeu à la. Dans la veine de Mario Kart avec des pouvoirs comme vous allez pouvoir voir, mais tout ça dans un univers de voitures téléguidées, et la physique des voitures téléguidées est plutôt bien faite. On a vite fait tendance à faire des 360 degrés, à s'envoler pour un oui pour un non. Là, bien sûr, il y a une rampe, c'est normal, mais voilà, on sent quand même que les voitures sont des petites voitures. C'est plutôt assez bien fait, et c'est pour ça que je vous conseille de bien paramétrer les couches. Et de lui mettre une bonne petite demi-heure, et on trouve la bonne formule pour ma part. Tout est bien configurable, ça prend en compte la manette de base, et dire de base, ouais, le jeu, Revolt. Avant de dire, de vous parler de comment y jouer. Où le trouver, hein, c'est sur abandonwarefrance.org que vous pourrez le trouver. Il est disponible en installation facile, c'est-à-dire que vous avez juste à lancer par un launcher, un exécutable, qui vous installera le jeu, et ensuite vous n'aurez plus qu'à y jouer. Notez qu'au passage, vous pouvez rajouter les FXA dans le panneau Nvidia, ou autre alternative. Bon, ça m'est arrivé premier ici, mais c'est un peu dur. Faut absolument que je rentre dedans ou en exploser, ce qui ne sera sûrement pas le cas. Voilà, ça n'a pas été le cas, on retourne ça vite fait. Vous avez une touche pour vous retourner, une touche pour réapparaître, le classique. Et surtout la direction qui est très très sensible, c'est pour ça que je suis passé du mode joystick par défaut au mode croix multidirectionnel pour avoir un contrôle un peu plus précis que ce que ça nous met avec le joystick, en tout cas de mon point de vue, on va dire, par mon expérience que j'en ai eu. Je pense que c'est un jeu qui n'était pas forcément fait pour jouer au joystick à l'époque, sur PC encore moins, sûrement au clavier, au clavier quoi, tout simplement. Ah, ce qui fait que je trouve qu'il est un peu spécial à jouer au joystick. Voilà, bref. Bon, là, le pourquoi du comment, je suis revenu à la première directionnelle. Une fois cela fait, on m'a repris, on lit comme il faut. Le jeu se joue plutôt bien. Il a l'air d'avoir pas mal de courses. Voilà, ça m'a l'air d'être assez complet là dans la petite. Il ne semble pas que celui-ci, je l'avais présenté auparavant, hein, ce jeu. Mais ça sera fait. J'ai une sélection, une playlist de pas mal de jeux disponibles sur Abandonware, un peu comme celui-ci. Je les présente pas tous, parce que c'est trop long, mais je en chope voilà, ici ou là, ceux qui me tiennent le plus à cœur, qui sont plus faciles à prendre en main, on va dire, plus accessibles, parce qu'après il y en a plein, c'est par nostalgie, qui sont pas forcément les mieux à jouer au genre d'aujourd'hui. Troisième, est-ce que ce soit... Bon, on va continuer, de toute façon je pense pas que je puisse la refaire, si je pourrais, c'est on va continuer. Continuer, je là. C'est pause pour continuer, tout simplement. Voilà, continue. C'est ce que j'ai fait. Attends. Attendez, pendant deux secondes, là, je ne sais plus les touches. Bah, c'est qu'il faut attendre. Je pense pas qu'il faut attendre si l'enfant, je me souviens pas de ça, moi. J'ai pas le temps de klaxonner. Je suis en train de caméra, non, y'a problème. Est-ce que j'ai oublié de rajouter une touche? Est-ce que c'est le jeu qui aurait bugué? Mettre commencer dans le doute, mais c'est bizarre. Moi j'étais que 3ème. Merde, j'ai oublié que j'avais mis l'écran la flèche multidirectionnelle, enfin bref. Où est-ce que je veux dire? La croix
sur la Xbox, quoi. Donc le jeu était aussi sorti sur Nintendo 64 à l'époque et sur Dreamcast également. Et ça n'avait pas forcément été le jeu du siècle, mais il avait quand même eu une bonne impression. La pauvre année, de toute façon, franchement, comme je l'ai dit, même encore aujourd'hui, ça peut valoir le détour. Ça pourrait être largement un petit jeu mobile d'aujourd'hui, quoi, hein, sans trop de soucis. Aussi bien au niveau graphisme qu'au niveau du contenu et du reste, il y a quand même pas mal de choses à faire apparemment. J'ai pas eu le temps de faire vraiment le tour, mais il y a déjà 5-6 championnats, une bonne dizaine de voitures. Et ça reste quand même assez potable au niveau du visuel. Merde. Oui, là, c'est là dans ce genre de situation qu'on voit vraiment qu'on a une voiture qui est. Au lieu de s'écraser, on rebondit. Un petit premier, ça aurait été bien, en espérant que ça ne bug pas. Enfin, mais ça, c'est bizarre, hein, c'est, j'ai essayé plusieurs fois juste avant, mais jamais j'avais eu ce problème-là, rester bloqué à la ligne d'arrivée. Alors, est-ce que j'ai oublié de paramétrer une touche, je ne sais plus. Et je crois que j'ai même pas essayé d'appuyer sur échappe, tout simplement. Bref. Quatrième, merci les gars. L'IA est assez coriace quand même. Bah ouais, c'était pas mes tours, non? Non, la modernité. Oh là là. Oui, voilà, par exemple, pas être trop près d'un ennemi quand on déglingue, ça peut se retourner contre nous. Donc on envoie une roquette là. Pas de pitié. Deuxième, bon ça va. Bon, cette fois-ci. Est-ce qu'il faut attendre que tout le monde arrive? Ah, c'est ça, la règle. Voilà, tout le monde est arrivé. J'ai dû louper un épisode tout à l'heure, parce que normalement c'est pas si long déjà. Elle là, là. Appuyez sur pause pour continuer. Continuer. Très continuer. Mais c'est pas ces conneries. Circuit suivant. Mais tout à l'heure j'avais pas besoin de faire ça, c'était automatique. Mais qu'est-ce que j'ai foutu moi? Je me suis bien mélangé avec là ou pas? Tout à l'heure j'avais rien besoin de faire manuellement, ça passait directement d'une course à l'autre. Alors, voilà. Et c'est la même course en plus, merde. Bon, j'ai fait une couille quelque part, moi. Ça m'a cassé un peu tout ça. Liste, tout simplement. Championnat. Arcade. Est-ce que j'ai oublié d'aller dans le championnat tout à l'heure? On va voir ça tout de suite. Course en bronze. Voilà. Donc, c'est à 4 courses par championnat. Et qu'il y a 4 championnats, si j'ai bien vu. Ça fait 20 courses. On va bien, ouais. Enfin, 20 circuits, en tout cas. S'il y en a une dizaine déjà, c'est bien. S'il y a encore 5-6 véhicules à débloquer, pourquoi pas. En tout cas, le jeu est plutôt cool à jouer, mais là, bon... petits aléas, c'est pas forcément ce qu'on aime le plus, mais bon, une fois qu'on s'est fait un petit peu, on évite les erreurs. Hein. Du genre que je viens de faire avec des secondes là, de me tromper de mode de jeu, et merde. En plus de ça, je me fais transformer en bombe. J'ai connu dans lui qui était
À la manière de Mario 64 avec le nuage là. Il faut reconnaître quelqu'un pour lui transmettre avant d'être électrocuté. Bah, là c'est un peu pareil, c'est que là vous êtes une sorte de bombe. Merci le ballon. Oui, je suis dernier, là. Je suis dans la merde, il faut absolument vous impacter ça. C'est ça le premier, je vais prendre à l'avance, c'est parfois. Putain de merde, l'enfoiré. Parce que c'est pas un bouclier et en plus de ça, ça ralentit les ennemis qui sont à côté de moi. Ça ramène des charges électriques. On va dire c'est un peu comme l'étoile dans Mario. Ça c'est la flaque d'huile, comme les bananes. Ça encore c'est l'éclair de la garde de Kaouf. Si j'arrive à en rattraper un, et pour me protéger un peu. Il faut l'avoir à distance, c'est un peu dommage. Bon, je t'en prenne. Bordel, chaque fois c'est une faute. Ah non, faut pas que je pète avant de passer une dérivée. Voilà. Mon troisième, le pire. Le mieux que j'ai fait ici, c'est deuxième, de toute façon. Voilà, là c'est bon, c'est bien ça, le contenu du championnat. Non, c'est que tout à l'heure, j'étais parti dans en course simple, je crois, unique. Je me suis précipité. Bon, ça m'aura servi un petit peu l'entraînement, mais ça n'a pas forcément bien réussi. Donc, comme vous avez deviné, les pouvoirs, on les récupère en ramassant les éclairs sur la route. Elle, c'est la plus compliquée des courses en fait par rapport au championnat. Je suis premier, mais là même j'aime bien RST. On va essayer d'y rester. Je garantis pas. Pour l'instant, ça n'a pas été une seule fois le cas ici. Je suis premier. D'ailleurs, t'as l'air non plus. Les changements de surface sont infernales. Ah non, 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 j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Tirer quand on était juste à côté de moi. Donc voici rétrograder à la troisième place. C'est le suspense. Merci. Pour lui pour l'instant. Le piège de la porte, faut se méfier. C'était chaud. Deuxième, pas mal. J'ai pas vu qu'on m'avait doublé la fin, je me croyais encore premier. Ah bah non, je suis premier. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi écrit deuxième en bas de mon écran? Et pour m'indiquer la position du... Enfin bref.
C'est bien ça, j'ai fait le premier. Peut-être qu'on touche le deuxième. Bref. Là, bizarrement, ça devrait être plus dur, mais je trouve que c'est plus simple. On voit pas forcément bien où aller, mais ça se devine. Et c'est quand même moins. Voilà. J'allais dire, c'est moins glissant. Pas forcément toujours le cas, mais c'est un peu moins galère. Encore faire avoir de mon côté de l'escalier roulant. Ouais, planétarium, c'est quand même assez joli, ouais. C'est comme je disais tout à l'heure, ça pourrait être encore un petit jeu qu'on trouve sur portable, quoi. Enfin, smartphone, quoi, plutôt. Qui sont pas dégueulasses, quand même, ça va. Pour certains, ou la plupart même. C'est bien géré. Ah non, là, je suis encore trempé comme un con. Tout ça pour rien. Quatrième, faut que je remonte au moins que je sois deuxième. Mal être premier. Ah, je déteste ce truc là. Oh là là. Putain, le bordel de merde, j'ai fait de la merde à la fin. Non, non, putain, c'est infernal. J'ai tout foiré. Ça se fera pas. Là j'ai fait de la merde à ces chaque fois, c'est pas ce qui m'est arrivé. Heureusement je les continue. Du coup ça j'ai de la chance cette fois-ci. Je les aurais pas gaspillé pour les courses avant. J'aurais fait un score plutôt pas trop mal. Y'a que là que ça se corse, mais j'ai encore 3 chances. Voilà, nouvel essai, oui. Vous avez 3 chances par championnat. Ce que j'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais. Vaut mieux tard que jamais. Côté, mais pas possible. Ça marche arrière en plus. Ah là 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 là. Ouh là là. Alors là, il y a du retard à rattraper, c'est sûr. Bon, heureusement que non plus, ils sont pas infaillibles. Tout à l'heure, j'ai moins galéré sur celle-ci. Merde, je crois que c'était l'escalier, c'est là. Quand ça commence, ça s'arrête pas. Au moins, je suis troisième.
Ah. Une troisième à la fin, cool. Je vais faire un petit 360. C'était tendu. Donc je suis premier du classement principal ou pas? Non. Je suis deuxième du classement principal. Pour l'instant, en tout cas. Reste une course. Celle-ci, je ne l'ai pas encore vue. Bon, il me reste deux continues. Donc la méca, on va arrêter de s'en servir. Oh là là, je me suis foiré. Ah putain, il est enfoiré de merde. C'est quoi ce qui s'est passé? Eh bien, je suis complètement foiré. Ah, c'est bon. La chance. Je l'ai à peine effleuré, mais ça a quand même compté. Du coup, c'est lui qui a explosé. Là, c'est la fabule. Ah, c'est bien qu'on pense. La bulle de merde.
Ah, c'est une bonne guerre, ça. Je pensais que t'allais être en merde, en fait, c'est l'avant-dernier, ok. Je peux pas me garder une place ces derniers moments. Ouais, on va le premier pas pour l'instant. Putain de merde. Premier, nickel. Bon. Quelle place sur le podium maintenant? Je sais pas si c'est moi. Et de loin. Voilà, la plupart sont accessibles. On a déverrouillé un nouveau championnat et une nouvelle voiture, je crois, non? Ah non, simplement une voiture des autres joueurs. Ah si, voilà. Voyons voir ce qu'on a déverrouillé. Celle-ci n'était pas. Celle-là non plus, je crois d'ailleurs. Oh, au moins deux pour sûr. Ouais. Celle-ci, celle-là. C'est déjà ça. Ouais, on va débrouiller une nouvelle. On va tester une sur un nouvel circuit. Là, ça m'a débrouillé de nouveaux circuits aussi. Ça, c'est pas Ethereum avec le musée. Ah non, pas encore. Ah, c'est peut-être celui-là. Celui-là aussi. Ouais, c'est celui-ci. Le monde des jeux, oui. Je sais pas si c'est une vitre ou une texture manquante, mais je pense que c'est une vitre. Là aussi d'ailleurs. C'est le même endroit, je crois. Une sorte de croisement. Un peu confus, mais on s'y fait. Ah merde, elle a peine de le toucher. C'est vrai. Ah merde. Ça peut en faire ici.
Bon, deuxième, c'est déjà pas mal. Pour un premier essai. Véhicule pas trop mauvais. Assez rapide. Bon, bah, ce sera tout pour. Je sais plus déjà. Revolt, voilà, tout simplement. Bizarrement, là, c'est RVGGL, mais sans, je pense pas que ce soit ça vraiment le nom. Surtout, il est connu. Ça m'a l'air assez complet, il y a pas mal de choses à faire. Petit succès, apparemment, aussi. Faut voir. J'y rejouerai sûrement d'autres. Sincèrement, c'est pas enregistré d'accord. Peut-être parce que j'ai fait au caméra. Je ne sais pas.